on appelle une star. Nous sommes dans le On Star Appel. Comme tous les lundis, nous appelons une star. Et aujourd'hui, nous avons à faire une star des réseaux sociaux. Oui. Cher ami, comment ça va? Allô? À l'huile. À l'huile. Allez, non, t'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? On dit les mots. Il a fait un zidane. Il est mort sur les gens. Ouais, bon. Ebla. Ouais, Ebla. Bon, présente. Salut, c'est le FDB, c'est le Poparada, c'est le Bon Chugan, c'est le Dadavi, c'est le Momo. Tout le reste, c'est le Kofi Aouli. Pendant les années 50, pour faire, dit quoi? Au Djibouti. Il a dit, machin, nu-pied. Nu-pied, c'est quoi? Pied nu. Tu ne peux jamais voir une autre balade nu. D'un nu, c'est quoi? Un nu. De la présentation. Mais on est bien rassasié de ta présentation, mais on ouais. on sait pouvoir te suivre sur les réseaux ouais. et vraiment c'est assez décalé de la réalité ouais. de ce à quoi tout le monde s'attend toujours, mais ça va bien, cher ami Fior de Bior. Comment on peut s'appeler comme ça? Ouais, Fior de Bior. Comment on peut s'appeler comme ça? À quel moment on décide de s'appeler comme ça? Comment? Il n'entend pas bien. À quel moment tu décides de te faire appeler Fior de Bior? Quand je mets mes lunettes noires. Quand tu mets tes lunettes noires. Et je disais, il a toujours des réponses un peu décalées. Ouais, ouais. Mais alors, comment tout commence pour toi et pour ton boni? Rien, pour moi, ça commence juste à une plaque, un poème, tu vois. Oui. Il ne voit pas. Genre, juste un poème, un récit, ouais. Une œuvre un peu... exceptionnel, tu vois un peu. Il va pas. Il va pas. Non. T'arrives pas à voir, t'as pas tes lunettes. Il va pas à l'œil nu. Il va pas à l'œil nu. Elles envoient un microbe à l'œil nu. Fior de Bior. Ouais, mais aujourd'hui, ça prend une toute autre dimension. Et t'as fait tempo, non? Samedi dernier. Oui. Voilà, c'est bien. C'est nous, on a donné ton numéro. Ouais. Non, c'est nous, on t'a fait faire ton premier tempo. Ouais. Ah, merci beaucoup à vous. Ah, sans savoir. Et tu étais dans le tempo. Hein. C'est nous, on a géré ça. Ah, oh, c'est chic. Non, mais c'est comme ça. C'est des passes décisives. On est là, on travaille dans le. Tu vois, non? Voilà, en sous-bassement, quoi. Voilà. Mais toi, tu vois pas. Tu vois pas ça à l'œil nu. Pas. C'est bon, t'as pas tes lunettes. Tu as porté tes lunettes. Bon, ok, à quoi on devrait s'attendre pour la suite? Okay. Sans tout dévoiler. Ok, ça marche. Non, peut-être qu'il ne reçoit pas des réponses. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre pour la suite? Non, mais ça va même avec son personnage en fait. Ouais. Ah, ok, quelle suite? La suite de ta carrière. De tout ce que tu fais là. Ma carrière. Ouais. Ma carrière n'a pas de suite, c'est une continuation. Ouais. Non, mais en même temps, tu viens de sortir le clip du Coco Sou à Lélé. Ouais, après, j'ai mis un lait, piqué. Mais le Nomi LA, il va sortir à quel moment? Le Nomi LA sort peut-être fin décembre, tu vois, ou un chantier. Ouais. Et à ce moment, avant tout le temps, tu vois, j'ai un label, le dernier, il va encore sortir, genre, ouais. Le label doit sortir, et puis on attaque encore le truc, et nous, tout sort. Tu vois, il y a une répétition, c'est pédagogique. C'est pédagogique, hein. Mais t'es toujours avec le AS, le label de Ariel Chéné. Une chose est ici. Il n'entend pas. Allô? Une chose est ici. Sors des toilettes, sors des toilettes. Dire, qu'est-ce qu'il y a su? Sors des toilettes. C'est parce que nous, on connaît pas bruit de maison. On connaît bruit de salon, on connaît bruit de toilettes. On connaît bruit de lavabo. On se lave les mains, on connaît. Où il y a tout là, on connaît aussi. C'était là-bas. Mais coupe ta radio en même temps, s'il te plaît. Allez. Non, c'est pas des radios, il n'y a pas des radios. T'as pas de radio? Et pourquoi t'entends? Tu nous as mis en haut-parleur? Oui. Ah ouais, tu veux que les gens... En fait, toi, tu veux que les gens nous entendent pendant qu'on t'appelle? Non, je suis seul. Et le son, là, c'est bon, là, c'est nickel. C'est nickel. Ok, question Costa Bro. Alors, dis-moi, tu alignes des mots, tu as des phrases à toi. Tu tires l'inspiration de quoi, en fait? C'est des questions bateau, Non, pas question bateau. C'est une question qui a du sens, parce qu'on ne sait pas. Question avion, réponds, s'il te plaît. Non, ça sort de quoi, il en va fait? Répondre. Ben oui, si, voilà. Si. Ça sort de quoi? Ça vient. Quand je dis la vie, vous négligez un peu le côté.
Il dit pourquoi vous négligez le côté saint. Le côté saint, oui. Ça vient de l'esprit saint. Ça vient de l'esprit saint. Jésus lui parlait quoi? Dans la chambre de Jésus. C'est quoi il parlait? C'est les boules. On traduit en français. Ouais. C'est quoi le français il parlait? Il parlait en araméen. C'est les boules. Il dit c'est hébreu. Alors, mais c'est hébreu. Donc toi c'est hébreu là tu parles là. C'est hébreu tu comprends. Voilà. C'est hébreu maintenant ici en Côte d'Ivoire, on dit ça abouré. Pourquoi il dit ça? C'est hébreu, tu as abouré. Franchement, mais il a plus dit la chose, t'étais sûr là. Moi, je sais pas. On est servi, on est servi. Tu as envie de saluer des gars ce matin? On voulait franchement faire causette avec toi vite fait. Tu as envie de saluer tes potos, des gens qui t'aident aussi dans ce que tu fais, hein. Ouais. Tu veux saluer qui? Vraiment, ma mère. Je salue. Ouais. Tu salues ta mère, hein. Vas-y. Ouais, salut maman, salut FDB, c'est ton fils. Mais elle connaît pas Pierre le Diao, elle connaît Junior. Tu t'appelles Junior. Tu es toujours bébé de maman, c'est ça, non? Bébé à maman. Bébé. Quand tu es à Goumé, là, c'est Gilles, tu t'en pleurais. Je te jure. Ouais, la plupart. Comment tu comptes gérer ton 24 et ton 31? Parce qu'il y en a qui disent on mise, il y a d'autres qui disent on mise pas, il y a d'autres qui disent non, c'est du chantage, il y a d'autres qui disent. Toi, c'est quoi ton point de vue? On mise, c'est normal. On doit miser. Évidemment. Toi, tu mises sur hôtel ou bien tu mises sur cheveux? Ou bien c'est habit? Tu mises sur faux ongles. Tu mises sur quoi? Faux ongles. Faux ongles. Faux ongles. Ça coûte pas cher, faux ongles. Faux ongles, c'est pourquoi? Je te vois venir, c'est toi là. C'est sa meuf. Voilà, tu as non. Il a des trucs, des pratiques bizarres. Bon, ok, ça c'est bon. Entre ASEC Africa, tu préfères qui? Celui qui a gagné, non? Allô? ASEC Africa, tu réponds plus. Mais il reçoit pas. ASEC Africa, ASEC Africa, tu as préféré quel club? Bon, moi, c'est que l'homme suppose. Les gens, c'est juste le Belge, moi, soit africain. Ouais. Mais toi, tu supportais qui dans le fond? Dans le fond. Il n'y a pas de contraire. Ouais, il n'y a pas de contraire. J'ai entendu un sec quelque part. Okay. Que... Ah non, c'était pas de lui. Bon, écoute, t'as un dernier mot, quelque chose à dire vite fait. On est déjà en fait à la fin de notre émission. C'est dommage qu'on t'ait eu aussi tard. Mais on va tâcher de t'avoir ici en studio un autre jour, dans d'autres circonstances. Un dernier petit mot vite fait et on se dit au revoir. Ouais, je remercie Radio Jam et toute l'équipe. Non, remercie Fior de Bio. Ah. On remercie Junior. On prend un coup de lèche, moi, d'être là. Ouais. Ça va permettre à tout le monde, tu vois, dans ce téléphone, les gars, les radios, et puis plus, c'est le 21-01. Oh, c'est le numéro de téléphone. Merci là-bas. Prends soin de toi et puis bonne continuation dans ce que tu fais.